Shalom Alechem, on est dans Siman Tafresh Ein Ale Vav. Seder Adlakat, Aberachot Vadlaka. Le Seder, l'ordre de Berachot et de l'allumage. Amadik Nerot Hanouka Tsayer Levarer Balaila Arishon Gimel Brachot. Un homme que lui qui doit allumer les bougies de Hanouka, il doit faire trois Brachot le premier soir. En premier, c'est Asher Kitchano Bemizotav et Tsivan ou Ladlik Ner Hanouka, et pas Ner. L'adik ner shel Hanouka, je répète, l'adik ner Hanouka. La deuxième bracha, Baruch Adam Hashem Elokeinu Melech Haolam, Sha'asa Nisim La'avotenu Be'yamim Ahem Bazeman Hazeh. Et après, la deuxième, troisième bracha, She'ahyanu Mikimanu Yanu La'zeman Hazeh. On verra après plus tard qu'on doit dire La'zeman Hazeh et pas La'zman Hazeh. Parce qu'il y a un dagesh, il y a un point. Ner Hanouka. Et la zeman azé, excusez-moi. Et dans les autres jours de Hanouka, on doit faire les deux premières brachot. En premier, Asher Kitchano Bemizotav et Tzivanu Ladik Ner Hanouka. Et après, Sha'asa Nisim Lavotenu Bayamim Ahem Bazeman Azé. Ve'eno Mevarer She'ihyanu, et il ne doit pas faire la bracha She'ihyanu seulement le premier soir. כן? אלא בלילה הראשון שזכינו להגיע לזמן הדלקת נרות חנוכה. כי הקדוש ברוך הוא נתנה לנו דריבה ומומן ללימאז' דה חנוכה. כן. נוסר הברכה הראשונה להדליק נר חנוכה ולא של חנוכה. כמו אופי לברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, להדליק נר חנוכה, אפה להדליק נר של חנוכה. Et s'il s'est trompé, il a dit que la Dikner Shel Hanouka, quand même il est rendu quitte, il faut savoir que le Chachamim, ils ont institué, même que Maran HaShulchan Aruch, lui, il voulait dire la Dikner Shel Hanouka, comme on dit la Dikner Shel Shabbat, et puisque le Harizal, lui, il a dit clair, quand on dit la Dikner Hanouka, pourquoi? Parce que ça vient du Pasuk Notzeh Hesed La Lafim, c'est Nun Het Lamed, et c'est un nom Kadosh. Alors, Maran HaShulchan Aruch, il a dit, Tor, on va instituer de allumer avec la bracha la dikne Hanouka. Ça vient du mot Notzer Hesed la Hesed la Alafim. Et c'est un Shem Kadosh aussi. Benosach. On va le dire en. Comment? D'abord le dire. En général, il faut éviter de dire les noms Kadoshi, même les noms des Malachim, comme ça dans le Zohar Kadosh. Quand un homme lui maintenant, il lit le Zohar Kadosh, c'est bien de. Et il faut. C'est pareil qu'il faut, okay, plus que cela, de ne pas prononcer le nom des malachim. Parce que si vous prononcez le nom des malachim, qu'est-ce qui se passe? Les malachim vont venir ici, et après, ils vont faire qu'est-ce que tu demandes. Et quand ils vont faire qu'est-ce que tu demandes, après, ils vont se venger. Pourquoi tu les as embêtés? Eux, ils ont des missions à faire. Beaucoup, ils les ont ordonnés à faire des missions, et toi, tu les déranges. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas bien. Pas du tout. C'est très difficile, c'est le but d'un juif de Tamim Tieh. Il faut être Tamim. Alors, Tamim, qu'est-ce que ça veut dire Tamim? C'est pieux, intègre, plein, chalem, entier. Ça, c'est Tamim. Il y a aussi Tmimout, pose pas de questions. Naïf, il ne pose pas de questions. Il faut chercher à comprendre. Non. Par exemple, le rabbi t'a dit, fais ça. On parle par exemple, c'est quand c'est un grand rabbi. Un grand rabbi lui t'a dit, tu dois faire ça et ça et ça. On parle que c'est un rabbi compétent. Que lui, c'est son rabbi qu'il est compétent, etc. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est un grand rabbi, un des Gdolim. Et lui, il te dit de faire ça. Et toi, tu penses autrement. Alors là, tu es naïf, tu es tamim, et machem, tu vas réussir. Tu vas avoir des quêtes, même des chouottes, même que maintenant tu vois rien. Maintenant. On parle des gdolés ador, des gdolés. Et bien, quand tu es rien, nous y es l'omar, par exemple, oui. Mais il y a nous la zemana ze, qui ou a zemana yadoua, moi, bien, quand tu as sanissim, chamoui, bayamim, aim, ba zemana ze. Et il faut le dire avec. On dit Bazeman comme. Dans Kriyat Shema, il y en a beaucoup qui passent à côté du Kriyat Shema. Quand on fait Besadecha, on ne dit pas Besadcha. Même que c'est un Shva, mais c'est un Shva qui est d'à gauche. On dit Besadecha.
שלושת הברכות הנזכרים לעיל צריך לומרם לפני ההדלקה. Les trois brachot qu'on a dit, il faut les dire juste avant que tu allumes. Tous les mitzvot, on fait la bracha et après qu'est-ce qu'on fait? On fait l'action. Il n'a pas le droit d'allumer tant qu'il n'a pas fini les trois brachot. גם גר צדק שידיק נר חנוכה יכול לברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Même un converti, lui, il doit faire la ברכה שעשה ניסים לאבותינו. Même que lui, il va te dire, écoute, mes ancêtres, ils étaient où avant? C'est pas des ancêtres d'Israël, Israël. Quand même, le converti, lui, il doit dire, שעשה ניסים לאבותינו. C'était un grec, son grand-père. Hein? Si son grand-père, c'était un grec. Par exemple, okay? Mais il faut savoir que les convertis, il y a beaucoup de sortes de convertis que nous on ne sait pas. Les vrais convertis, c'est pas qu'ils sont convertis pour une, je sais pas quoi, mais les vrais convertis, okay? C'est des neshamot que ou c'était des convertis à l'époque de Avraham Avinu, ou maintenant il est revenu parce que la Gemara a dit tous les convertis qu'il a convertis à Avraham Avinu, ils sont tous devenu non-juif. Alors, lui, il était avant déjà converti, ou il était juif, comme il dit le Harizal, que lui, après, il est parti, il a viré, il a dit, il a viré, okay? Il est parti ailleurs, et maintenant, en plus qu'il est parti ailleurs, il se comportait comme un goy. Alors, des fois, quand le bourreau, il dit quoi, mon fils, t'es comme ça, alors il va le mettre dans un corps d'une goy, d'une goya, et après, il va le ramener, il faut qu'il vienne, mais après, d'où il est, il était. Il y a un mec, son père, il est feuge, mais sa mère, elle est pas feuge. Eh ben, il est non-juif. Ouais, mais c'est-à-dire, c'est quoi, lui, c'est Avraham Avinu, c'est... Je sais pas, non, on sait pas, on comprend, voilà. Ah, vous savez pas. Non, on peut pas savoir, c'est vrai qu'il y a quelque chose que lui qui connaît, on met des chameaux. Nous, on sait une chose, si maintenant, lui, il est venu, et il veut se convertir, il s'est converti, ce prochain d'abord, il a été accepté, il faut qu'il fait très, très attention. Il y a Marlon qui est dans la Gemara, qu'est-ce que c'est les convertis? Est-ce que c'est Kesapahat d'Israël? Est-ce que c'est un accusateur pour Am Israël? Parce que pourquoi? Parce que maintenant, il y en a des convertis, et c'est bien, et il faut apprendre d'eux qu'ils font la religion même plus qu'un juif. Oui. Alors maintenant, ils accusent Am Israël. Comment c'est possible que lui, maintenant, il va faire maintenant le Torah Mitzvot même plus qu'un juif, que toi, tu es né juif? D'accord? C'est bien. Donc moi, cher mère, maintenant, lui, le converti, lui, il est obligé de dire, comme il dit dans la tefila, comment il dit dans la tefila, Elokeinu ve'eloke avotenu, il dit la tefila, d'accord? Elokeinu ve'eloke avotenu, puisqu'il est converti, comment il dit Eloke avotenu? Pareil aussi ici, Shasan isim l'avotenu, il doit dire. Et ainsi aussi dans le Kat Amazon. Exactement, il a peut-être tout à voir. On ne sait pas d'où tu viens maintenant, converti. On ne sait pas, est-ce que tu es. Il y en a une fille, elle était chez les curés. Pas curé, elle était avec toutes les sœurs là-bas. Au couvent. Voilà. Ils sont venus au Kotel. Dès qu'elle arrive à le Kotel, elle commence à pleurer. Elle part, encore une autre fois l'après-midi, là-bas, elle commence à pleurer. Elle ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Elle a un éveil en elle. Elle ne comprenait pas. Et en fin de compte, elle s'est approchée vers le judaïsme, elle est devenue juive. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup des juifs qui ont été perdus. Ces Neshamot, ils ont été perdus. Il faut savoir, les Goïm, à la guerre mondiale, quand il y avait les Allemands, il y a plein de jeunes qui prenaient, ils les mettaient où? Aux églises. Plein de jeunes, ils étaient allés aux églises. Il y avait un grand rab, que lui, il est venu après la guerre récolter du Zizida. Il a crié Shema Israël. Il a crié Shema Israël. Et il y a beaucoup de juifs qui sont venus, des enfants qui sont venus vers lui. Tout ça pour sauver les âmes Israël. Et pas tout le monde, il y avait des endroits qui ne sont pas venus. En plus, il faisait esprit les curés dans la baie de Sarmo, genre. Ouais, exactement. Pour venir chrétien, les faire oublier que c'était feuche. Alors maintenant, on ne sait pas tous ces déchamants. Il est mort, comment il est mort? Il est mort autant que goy, pas autant que juif. Il doit revenir maintenant dans ce monde-là. Et pour refaire son tikkun. Alors tous ces chemins là, on ne sait pas. Okay? Comme la halakha, elle dit,
Un Amalek. On doit accepter quand il se convertit, oui ou non? Non. Non. Faut le tuer. Hein? Faut le tuer. Si tu sais que c'est un Amalek. Ouais. La Gemara elle dit, venez m'ibne Aman et l'omdim Gemara ben Brak. Les enfants, les petits-enfants de Aman, ils sont à Bnei Brak, ils étudient la Torah. Comment c'est possible? C'est Amalek, comment c'est possible? Alors regarde maintenant, regardez, il y a une chouva du Hida sur cela. Comment c'est possible que la descendance de Aman, que lui c'est Amalek quand même, ils étudient à Bnei Brak? Comment c'est possible? Alors une des terotsim, une des explications, c'est que la mère, elle est Amalek, mais le père, il n'est pas Amalek. Okay. Et on y va d'après le père ou d'après la mère pour l'enfant? D'après le garçon. Après non, le père. Pour la religion chez les feux, chez maternelle. Pour, écoute, non, pour dans la chose, Torah, c'est écrit. Ah oui, d'après le père. Non, on va d'après le père. Ish le bet avotam. Mais pour la. Si maintenant c'est un pasoul, olchimachara pisoul. Pasoul, ça veut dire quelque chose qui est. Pasoul, ça veut dire comment on dit en français pasoul en hébreu? Français? Pasoul, c'est. Il n'est pas correct. Alors on y va d'après le pasoul. Si c'est la mère, elle n'est pas juive, alors l'enfant, il n'est pas juif, etc. Ken. Arachibirach al-Dakat anerot lo yafsik afilu beremez al-Shiatrib misad al-Dakat. Il n'a pas le droit, après Ken, qu'il a fait la bracha, la likne chanouka, et après Chassanissim, il n'a pas le droit d'arrêter, de dire même pas un mot. De okay. Tant qu'il n'a pas allumé, beaucoup de fois ça marche comme ça. Okay. Tant qu'il n'a pas allumé, il faut qu'il l'allume. Après qu'il l'allume, là il peut parler. Mais comme Rachel Irmoz, j'ai vu l'autre. Par exemple, si maintenant on prend en considération que le bonhomme, lui maintenant il veut allumer les bougies de Hanouka et il lui manque, il a allumé avec les gafourim, les allumettes, et les allumettes sont cassées. Maintenant, il veut demander des autres allumettes. Il peut faire des signes pour avoir des allumettes. Chazak ou Baour.